Président République là, Jovenel Moïse, dans le cadre d'un décret qui prend qui portait date 16 juin 2021, accordé un nouveau délai à comité consultatif indépendant qui travaille sur nouveau projet constitution pour ta remettre rapport final sous nouveau document. C'est point ça nous va développer pour vous. Restez branchés, n'a pas tourné. Gros salutations à toutes super branchés nous. Son plaisir pour l'entrée la carrière, nous sommes Wilson Octavius. N'a pas merci parce que vous connectez et n'a pas bienvenue sur à peine fait ça. Je t'ai annoncé le président de la République, Jovenel Moïse, dans un décret qui prend pour des dates 16 juin 2021, accordé un nouveau délai à comité consultatif indépendant qui travaille sur un nouveau projet de constitution. Comité ça qui a 5 membres là-dedans et qui a pris fonction 28 octobre 2020 passé, a gagné devant 45 jours en plus, sorti 17 juin pour arriver 31 juillet 2021 pour remettre rapport sur un nouveau projet de constitution. Côté population a bien pour décider dans cadre d'un référendum qui vient pour organiser dans une date qui peut fixer. Donc c'est pour ça nous allons analyser déjà n'a dit bonne écoute. Ça fait quelque temps depuis population habituée avec un nouveau concept qui c'est référendum. Donc là je dis nous va parler par définition référendum parce que récemment nous t'ai fait et mais rapidement nous capable dire référendum son processus côté gouvernement inviter population ou du moins ensemble citoyens pour venir prononcer sur une proposition mais qui nécessité qui gagne pour changer constitution 29 mars 1987 pour autorité en place yo, constitution 29 mars 1987 là et qui va venir une version amendée dans année 2011. C'est une source d'instabilité pays. Ça, c'est version autorité en place, et sous nécessité qui gagne pour changer constitution. Mais ce n'est pas seulement autorité en place qui a nécessité pour changer constitution. Nous avons tout de acteurs dans la classe politique, de acteurs dans la société civile. Donc, il y a tout une nécessité pour passer, mais qui fait dans la constitution et 87. Donc, c'est dans ce sens, autorité en place, président Jovenel Moïse en particulier, a pris une décision pour initier un changement dans la Constitution 87 là, à travers un référendum. Donc là, est-ce que c'est un processus qui est légal? Donc, puis devant, on a bien pour nous ça. Mais en attendant, dans le cadre de la démarche présidente, il a mis un comité sous place pour gérer la question, organiser le référendum pour changer la Constitution. Donc, le comité ça a porté un comité consultatif indépendant pour l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Donc, maintenant, le comité ça qui est en place, dans quelle mission il a? Donc, la mission principale est de être collée avec le Conseil électoral provisoire, là, parce que nous connaissons. Il y a un conseil électoral provisoire qui en place. C'est vrai qu'il doit y avoir des gens qui viennent de gris et favelle parce qu'il n'y a pas de prêté serment devant le Parlement. C'est uniquement l'exécutif qui a pris responsabilité pour installer. Mais quand même, travail à faire, en accord avec le comité consultatif indépendant qui travaille sur la question référendum. Donc, c'est deux entités étatiques qui sont censées avoir des compétences pour organiser le référendum dans le pays. Donc, la mission principale, c'est organiser un référendum. Et pour organiser un référendum, un ensemble d'actions obligées de poser, non seulement sensibiliser la population, mais tout c'est élaborer un nouveau texte loi qui lui-même doit remplacer le texte constitution 1987 dans le cadre d'un référendum. Maintenant, qui a son mission ça déjà réalisé dans le cadre préparatif pour l'organisation du référendum? Nous connaissons depuis 28 octobre 2020, le président a pris un décret pour te nommer comité qui prend le travail sur la question du référendum et changement. Constitution ça. Donc, on est comité ça, il était là pour 3 mois. Après 3 mois, le président est reconduit jusqu'à présent. Donc, nous avons un nouveau décret qui est censé reconduire le membre ça. C'est eux-mêmes qui travaillent pour mettre une autre constitution dans le pays. Maintenant, par rapport à la démarche qui a fait pour changer la constitution, nous avons une pile voix qui va suspendre levée pour montrer comment son démarche qui est anticonstitutionnelle et nous avons une pile monde en opposition, tout qui rallie de l'article qui n'a Constitution 87 qui formellement interdit organisation référendum dans le cadre d'un éventuel changement de constitution. Ça veut dire Constitution 1987 là, c'est vrai c'est un référendum qui était organisé pour te mettre en place, mais automatiquement Constitution ça allait entrer en vigueur, donc il interdit toute idée pour t'organiser référendum donc dans le cadre d'un éventuel changement de Constitution 87. Ça veut dire exécutif là sous bon parle non démarche pour changer constitution hein, et ou jeune on l'autre côté opposition lui-même qui est censé essayer faire obstacle à toute idée pour organiser référendum parce que pour eux-mêmes lui anticonstitutionnel. Mais nous connaissons un pile secteur qui après une longue expérience fait avec constitution 1987 là, nous connaissons lui gagne un pile problème là-dedans et c'est lui-même tout qui est source instabilité chronique qui gagne dans le pays.
on dit depuis tantôt 34 ans, son constitution qui est en vigueur, et on ne peut pas vraiment gagner un pile article là-dedans qui est applicable, et d'après un pile observateur, d'après un pile citoyen, et même gouvernement, même opposition en tout, certaines fois, ils admettent que c'est la constitution qui est à la base de tout manque ça qui gagne dans le pays, et de non-application, on dit par rapport avec une série de pièges qui gagne là-dedans, ou qu'on est dans la période où tu élaboré la constitution 29-87 ans, c'est une période côté nous t'est sorti dans pleine dictature. Donc, conseil de balise, tu as passé et mettez qui, et au fil du temps, le vin remarqué qui empêchait les pays diriger, qui empêchait les pays de gouverner. Et à terre ancienne, nous avons mis Montferrier d'Orval avant qu'il te mourir. Il te dit, constitution ça, c'est le même qui source instabilité. Donc, il te relaté toute opinion qui était déjà partagée sur la constitution 87 ans, que c'est lui-même qui t'a source instabilité. Elle était même allée plus loin pour le dire, moment actuel, c'est le plus bon moment où l'autorité était à gagner devant pour initier un changement de constitution parce que pas de parlement. Ben, ou qu'on est normalement, si il y a un parlement, son projet cap automatiquement rejeté parce que il y a une constitution 87 ans qui interdit pour organiser un référendum pour mettre une autre constitution dans le pays. Mais pas oublier, c'est un référendum qui te mettait la constitution 87 ans. Automatiquement, il a fait une vote et interdit pour organiser un référendum. Donc, ça, c'est l'autre débat. Nous ne pas rentrer là-dedans. Mais quand même, c'est deux articles dans la constitution qui suscitaient de vives interrogations. Nous connaissons le conseil électoral provisoire, il était sorti en note pour faire connaître la date qui était retenue pour organiser un référendum. Non, tout le monde connaît, c'était 27 juin. Donc, dans quelques jours là, c'est après l'organisation du référendum. Non? Et le Conseil électoral provisoire a pris une décision pour annuler la date. Donc, il était reporté le sinédi, ça veut dire une date qui est beaucoup fixée. Donc, là, jusqu'à présent, pour une date qui est retenue pour organiser le référendum. Non? Mais le Conseil électoral provisoire lui-même, il était pris une décision, c'était 27 juin, il était organisé. Donc, par la suite, il était venu remarquer une grave crise sanitaire dans le pays qui est liée avec COVID-19. Et puis, il y a de tension tout. Il y a un pile parole qui t'a parlé comme quoi. Et tu as parlé d'un bel de sens si le référendum est organisé dans le 27 juin. Donc, là, sûrement, c'est deux paramètres qui ont forcé le Conseil électoral provisoire pour une décision pour annuler et dans le 27 juin pour organiser l'activité référendaire. Donc, maintenant, qui le référendum s'est organisé? Personne ne vous connaît, sinon, peut-être, membre du Conseil électoral provisoire ou du moins membre du comité consultatif indépendant, qui a travaillé sur la constitution. Peut-être c'est eux-mêmes qui ont une date approximative de l'organisation du référendum. Mais jusqu'à date, pour gagner et des informations officielles qui t'a confirmé mais qui le référendum non li a organisé. Mais entre-temps, il y a un pile secteur qui toujours été attaché à la constitution 87 là. Opposition ayant côté lui-même a dénoncé processus là, bien que eux même tout partager idée pour ta gagner une autre constitution et dans pays. Et parmi monde depuis un bon certain temps qui pas suspendre lever voix pour montrer que référendum non li illégal, c'est un acteur politique qui c'est Jerry Tardieu. Donc lui-même, les catégories, il dit organisation référendum dans son processus qui est illégal, mais pourtant lui-même et l'LT parlementaire il y a une commission là-dedans qui a travaillé sous possibilité pour amender la constitution 87 là ou du moins changer et complètement. Mais pendant pas député encore, pendant pas faire partie de 50e législature parce que nous connaissons un moment actuellement pas de parlement en fonction, sinon il y a 10 sénateurs qui est censé siéger en permanence parce que c'est ça la constitution dit, le Sénat siège en permanence, donc pas de parlement, donc, parce que pour tenir parlement, il faut tenir majorité de tiers qui sont censés en fonction. Donc là, nous avons 10 sénateurs seulement, donc on ne peut pas dire qu'il y a un parlement. D'ailleurs, on peut avoir des décisions contraignantes qu'on peut prendre vis-à-vis de l'exécutif. Et ça, faut après, président Jovenel Moïse, toute décision qu'on prend, je ne dis pas, c'est décret libre parce que le parlement est censé caduque. C'est pour une série de secteur dans la vie nationale, là, organiser référendum, là, c'est une violation systématique de la Constitution de 1987. Mais pour l'autre partie, c'est une nécessité pour porter des changements radicaux dans la Constitution 87 là, parce que c'est lui-même qui est la source d'instabilité et c'est lui-même tout qui a empêché le pays de prendre ou de changement ou de progrès durable là, parce qu'il y a deux articles dans la Constitution qui contraignent et qui empêchent le président et appliquer. Et projet, l'appliquer, vision, li, gagner pour payer dans cadre et promesses de campagne. Donc là, nous avons une opinion déjà discordante quant à l'organisation du référendum. Depuis le CEP, a fait une décision pour annuler dans le 27 juin qui était prévu pour organiser le référendum. Non? Quand plein de monde a pensé dans son processus qui est censé caduque par rapport à la position de différents secteurs, différents acteurs qui concernaient et dans
politique paysan, il te met ses partis politiques, il te met ses acteurs dans la société civile, ou du moins de voix autorisée dans la société. Et même l'international, nous avons abordé avec la dernière déclaration, ou du moins la dernière position, et les États-Unis prennent, côté eux dit eux-mêmes, il n'y a pas de référendum. Donc, en pile monde, il y a tant de pensées que le référendum n'est pas organisé. Mais ça a oublié. Il a oublié, c'est avec après Dieu, il y a fait. Je me dis avec après Dieu, parce que nous connaissons. Président Jovenel Moïse, depuis un bon certain temps, pour Balontinon après Dieu, parce que en pile la décision, il prend, il campe de elle, elle toujours dit, ça le dit, c'est lui-même, et nous rappelons le fameux discours qu'il a fait quand il a dit le président a parlé, point barre. Donc, est-ce que dans le cadre de l'organisation référendum, c'est le président a parlé, point barre, qui parle, et censé de mise, côté président, on parle, fait fi de toute opinion, de toute position, différents secteurs qui a gagné et même l'international pour organiser référendum. Et référendum dans tout qui parle organiser, est-ce que c'est pas un consensus qui dégage en différents acteurs ou même différents secteurs qui sont dans le national, est-ce que son processus est possible si pas une implication et toute société là-dedans? D'ailleurs, une bagaille communauté internationale en reproche processus référendaire, c'est que il n'est pas inclusif, il n'est pas participatif. Donc, pas y a assez de monde dans la population qui au courant de projet, hein, pas y a assez de monde dans la société hein, qui embrasse le projet hein, et quant à faisabilité le tout. Donc là, il y a des problèmes et c'est réserve ça, ouais, communauté internationale, l'unité partagée quant à l'organisation du référendum. Mais pas oublier tout son processus qui relève de souveraineté nationale, ça veut dire position l'international, c'est pas lui-même qui t'a dû dicter qui ça qui doit faire dans le cadre d'une démarche pour changer la constitution. Hein. Mais de préférence, c'est toute force vive société, hein, de toute force vive nation, qui t'a dû mettre ensemble donc, pour rejoindre une formule pour, si éventuellement tu as une nécessité pour changer la constitution, pour être capable de faire, et dans une harmonie, dans une communion, dans une et fraternité côté tout haïtien, à décider sur l'avenir, soit l'avenir petit. Normalement, après ça, tout le monde pense qu'il est impossible et difficile qui s'est organisé un référendum dans la conjoncture actuelle. Donc, après, c'est ça, après, l'autorité a décidé de prendre. Et après, c'est ça, tout le conseil électoral provisoire a décidé de prendre. Parce que si le président de la République a reconduit le comité consultatif indépendant capital sous élaboration projet nouveau constitution, donc après, s'il reconduit, ça veut dire toujours gain espoir pour organiser un référendum dans le pays. Et l'autorité, dans le niveau gouvernement, c'est capable d'organiser le référendum, c'est lui-même le point. En conclusion, nous sommes capables de dire, quoi que changer la constitution, et paraît une nécessité, paraît une évidence, parce que tout secteur dans le pays, et même si ce n'est pas pour un changement radical ou du moins total de la constitution, mais ils estiment qu'il y a des changements qui t'a dû porter, qu'il y a des textes qui t'a dû quand même subir des modifications. Donc, là, son point de vue, ça c'est tout acteur, tout secteur, tout. On dit tout le monde partagé, donc on passe même qui t'a de fait dans la constitution. Mais cependant, il n'y a pas caché inquiétude quant à une série de acquis constitution 87 là, qui était by Haïti. Donc en pile l'acte ça a souhaité pour acquis démocratique qui est toujours préservé dans la constitution 87 là. Ça veut dire même si un changement constitution qu'a fait, mais il y a des bagages qui importants, il y a des bagages nous pas qu'à faire back sur, il y a des bagages nous pas doué changer dans la constitution parce qu'il y a trop de batailles qui étaient faites pour eux. Donc c'est des bagages qui doivent préservé. Donc même s'il y a un changement de constitution, même s'il y a une nouvelle constitution, mais il y a des bagailles qui normalement devraient être intactes parce que eux-mêmes ils ont fait vertu nous, ils ont fait fierté nous et d'ailleurs nous dit nous sommes un pays démocratique. Donc principe démocratique yo de kembe, yo de respecter dans cadre yon réforme ou bien yon changement constitution. Donc ne pas parler trop, c'est là n'a campé pour aujourd'hui hein. N'a dit merci parce que t'as attendu nous et n'a dit à très bientôt. Bye bye.